together. I know you've been around. I'm not the only one, but I want you for me. And now you're back in town. Will I ever get a chance to show you? On s'adresse à des geeks là ou on s'adresse à des gens normaux? So close to you now. Donc oui, c'est une grosse machine à programme change et à contrôleur continu, quoi, géante. Et il y a un clavier central ici, qui est le Chronos, qui a des sorties séparées. C'est aussi pour ça qu'on l'a choisi, hormis le fait qu'il puisse aussi faire du sampling, de la modélisation, un peu tout ce qu'on voulait. Il intégrait pas mal d'effets du aussi, studio, hein. Pas mal d'effets déjà intégrés aussi. Et grâce à ces sorties séparées, on peut passer par des effets analogiques ici. Et en gros, ça c'est les sorties 1-2, ça c'est les sorties 3-4, et ça c'est les sorties 5-6 du Chronos. Que je peux piloter d'ici, que je peux piloter d'ici, que Raphaël peut piloter de là-bas, que je peux piloter depuis mon clavier ici, que je peux piloter depuis mon téléphone avec une petite interface en Bluetooth de l'extérieur. C'est-à-dire qu'il y a une grosse workstation et des interfaces, en fait. C'était ça le concept. Passer à une seule machine et des interfaces. Et ça fonctionne hyper bien. Du coup, on a quelque chose de très central. Ça va plus vite à installer. On a juste une grosse unité et des petits satellites. Ça paraît énorme, mais en vrai, c'est assez simple. De prendre le Chronos pour le live, on a réfléchi à plusieurs alternatives, mais c'était le seul clavier qui répondait à tout ça. Soit on essaye d'abord de reproduire avec de la modélisation, grande spécialité de Raphaël, soit bon, on n'y arrive pas avec de la modélisation à reproduire le VCS3 ou l'ARF 2600 sur tel lead ou tel truc, bon, on sample des formes d'ondes et on fait à partir de sampling, soit voir si carrément, et c'est pas arrivé souvent, si cette méthode marche pas, on prend carrément des bouts de tronçons de sample du son du CD qui fait et puis voilà. Mais globalement, tout est vivant dedans. C'est-à-dire que, fonction des morceaux et des programmes change, ça, c'est le filtre d'un truc, ça, c'est la mode wheel qui ouvre un autre machin. Et idem pour la vidéo. On pilote l'écran aussi, normalement, avec. I'm still waiting, I'm still waiting. And will I see you again? 2018, là on finit la tournée avec Chaka Ponk jusque mi-avril. Cet été on fait normalement une douzaine de festivals. Et puis tournée Alba à la rentrée, à l'automne.